Amar Djibour, bonjour. Bonjour. On va commencer avec le volley-ball. Le volley-ball est la qualification de notre équipe nationale. Cette qualification du 6 national, eh bien, les Verts ne l'avaient pas connue depuis exactement 2009, où ils avaient affronté en finale l'Égypte. Depuis 2009, une équipe nationale qui à chaque fois a terminé au pied du podium. Cette fois-ci, c'est très bien. La compétition se déroule en Égypte. Ils n'ont pas raté leur entrée en matière. Je le rappelle, ils avaient battu l'Égypte sur le score de 3-7 à 0. Hier, face à la Libye, ça a été un match âprement disputé. C'était un match revanche. Les Libyens qui s'étaient imposés lors des Jeux panarabes, et au mois de juillet dernier, sur le score net et sans appel de 3-7-0. Hier, eh bien, l'international algérien, en l'occurrence Ilyes Rachouli, le disait clairement, c'est un match revanche. Premier set fébrilité, perdu par le 6 national, 18-25. Le deuxième set, on égalise, 25-15. Le troisième set, eh bien une nouvelle fois, 33-35, tenez-vous bien, 25-22 sur le quatrième set. Et ça s'est joué en d'autres termes au tie-break. 3-7 à 2 pour l'Algérie. L'Algérie qui va en finale et qui affrontera bien évidemment le pays organisateur, l'Égypte. L'Égypte qui a battu le Cameroun dans la semi-finale, 3-7 à 1. Retour sur cette qualification avec Lies Rachouli. On a pu faire un exploit contre cette équipe coriace de la Libye. Ils savaient que c'était une revanche pour nous. On savait que c'était pas facile. Mais alhamdoulilah, l'essentiel, on l'a fait. On est en championnat du monde. Inch'Allah, maintenant, on va se concentrer pour la finale. Et Inch'Allah, elle sera algérienne, Inch'Allah, cette coupe. On a pu faire un exploit contre cette équipe coriace de la Libye. Ils savaient que c'était une revanche pour nous. On savait que c'était pas facile. Mais alhamdoulilah, l'essentiel, on l'a fait. On est en championnat du monde. Inch'Allah, maintenant, on va se concentrer pour la finale. Et Inch'Allah, elle sera algérienne, Inch'Allah, cette coupe. Lies Rachouli, qui, je le rappelle, est le libéro de cette équipe d'Algérie du 6 national. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être, il va y avoir un bégaiement de l'histoire, le premier titre algérien en volley-ball a été remporté en 1991 aux Jeux africains. C'était un jumelage avec le tournoi de volley-ball, c'était un championnat d'Afrique. Et l'Algérie s'était imposée en finale contre l'Égypte, sous la houlette à l'époque de Zerdoumi, qu'on salue au passage l'un des grands entraîneurs du volley-ball national, avec, je le dis toujours, une génération exceptionnelle. Ça s'était poursuivi également en 1993 à Alger, à la Salle Harcha, où l'Algérie avait battu la Tunisie dans un match également. C'était un véritable derby qui avait tenu toutes ses promesses. Alors pourquoi pas un troisième sacre, cette fois-ci face aux Égyptiens. Eh bien, il faudra attendre. De toutes les manières, objectif atteint, l'Algérie termine et sur le podium, d'ores et déjà assurée d'une qualification pour le mondial. On passe à la boxe, si vous le voulez bien, à 7h24 minutes. La boxe avec le tournoi pré-olympique. 6 boxeurs, dont la championne Imen Khalif, qui a de grandes chances de remporter une médaille aux Jeux Olympiques, se sont qualifiés au quart de finale du tournoi pré-olympique qui se déroule à Dakar. Il y a Mohamed Amin Mazian dans la catégorie des 51 kg, Yugurta Ait Baka pour les 63 kg 500, Mohamed Humri pour les 92 kg, Shahida Selmouni et Imen Khalif, 57 et 66 kg. Chez les dames, Selmouni a validé son ticket pour les quarts en dominant la malienne Fatoumata Kamara. Khalif a battu la marocaine Oumaima Belhabib qui était championne d'Afrique. Il faut le rappeler. Donc, c'est un super combat également et belle victoire pour notre représentante Khalif. Chez les messieurs, Lamine Mazian s'est qualifié aux dépens du Togolais Olivier Vlavounou, tout comme son coéquipier Ait Baka, qui a battu le Botswanais Kabo Kolen. Pour sa part, Humri, lui, s'est qualifié en dominant le Libyen Mohamed Ifadallah et Hicham Maouche, après avoir battu le Malien Abdulkarim Batili. On espère un maximum de boxeurs en finale, parce que je le rappelle, pour les filles, c'est la première, la médaille d'or et la médaille d'argent qui se qualifient pour le tournoi olympique. Chez les messieurs, seul le médaillé d'or. On va terminer, Mohamed Djibour, avec le football. Eh bien oui, aujourd'hui, véritable test. Les deux derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations vont s'affronter. 2019, l'Algérie, rappelez-vous, avait battu le Sénégal en finale. C'était au Caire. Et puis les Sénégalais, qui restent l'une des meilleures formations, si ce n'est la meilleure formation africaine du moment, avaient battu et avaient remporté le titre continental pour la première fois de son histoire. Jamel Belmadi avait préservé contre la Tanzanie, avait aligné une équipe bis, une équipe où il n'y avait qu'un seul joueur qui avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est pour vous dire, c'est une équipe New Look qui a été alignée. Aujourd'hui, il cherchera un résultat contre les Sénégalais. On va vous proposer d'écouter l'entraîneur national sur cette rencontre, sur cette confrontation, sur ce choc entre les deux derniers vainqueurs de la compétition africaine.
Avec grand plaisir, j'ai même envie de dire un honneur pour nous d'être ici au Sénégal, dans ce beau pays, et surtout revenir jouer contre cette grande sélection qui est la sélection nationale du Sénégal, détenteur du titre de champion d'Afrique. Et voilà, c'est aujourd'hui pour moi l'équipe peut-être la plus complète du continent africain. Leur dernière sortie l'a encore montré. Donc on est venu dans cette idée de venir jouer. On a l'habitude d'organiser nos matchs entre guillemets amicaux avec, en essayant de jouer contre les meilleurs du continent au moins. Et là, on va jouer contre l'actuel détenteur du titre. Donc c'est un réel plaisir de jouer ce match-là. Voilà, match à 20h, on joue contre les meilleurs et puis s'en prépare d'ores et déjà la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire au mois de janvier prochain. Le match sera en direct sur les ondes à partir de 20h. Merci beaucoup. Quant à nous, on vous retrouve dès demain matin dans la matinale 7h27.